Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... cookies moelleux aux pépites de chocolat. Pour 45 cookies, il nous faut 300 g de pépites de chocolat, 2 œufs, 350 g de farine, 125 g de sucre brun, 125 g de sucre blanc, 250 g de beurre, une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. On met le four à préchauffer à 180 degrés. Et on met le beurre mou dans le saladier. C'est au tour des deux sucres. Maintenant, on va faire un peu d'exercice parce que la magie, c'est bien beau. Mais bon, c'est moins rigolo. J'ai bien travaillé. Je vais pouvoir saler tout ça. Et ajouter les deux œufs. Et là, ça va te surprendre, on mélange à nouveau. Le mélange est homogène, on va pouvoir ajouter le mélange de farine et de levure. Et on va tamiser ça au-dessus de la pâte. Le plus dur avec les pépites de chocolat, c'est de ne pas toutes les manger avant de les incorporer. On incorpore les pépites de chocolat et après, on n'aura plus qu'à les faire cuire. J'allais presque oublier, il faut quand même qu'on forme les cookies et les mettre sur une plaque. Allez, exécution. On va maintenant faire des boules de la taille d'une noix. Donc pour ça, je me munis de deux cuillères, tout simplement. Et je vais les poser sur la plaque. Bon, c'est chouette, mais c'est un peu long à faire. Je propose qu'on fasse appel à la magie. Ce qui est bien avec les cookies, c'est qu'on va avoir plein de fournées. Oui, parce que faut pas croire, mais je pense qu'une fois qu'on aura sorti la première du four, elle sera déjà toute mangée. Allez, 10 minutes de cuisson. Là, ils sont en train de s'étaler. Ils prennent leurs aises. C'est sûr, avec cette recette, tu ne feras pas un flan. D'ailleurs, en parlant de flan, si tu aimes ça, tu peux toujours réaliser la recette du flan pâtissier qui est juste ici. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater un cookie, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. Recette Roulette.